tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes très très en forme. On est en stream comme d'habitude sur, sur le Twitch, sur le YouTube et sur Mixer. N'hésitez pas à me rejoindre tous les soirs. Je suis en stream sur plusieurs jeux. Quasiment tous les soirs je suis en stream. Il y a 2-3 streams où je suis pas là. Mais bon, ça arrive très rarement. Mais là en ce moment si, ça peut arriver assez souvent. Donc on est sur le jeu comme d'habitude. Et ben, on va continuer à accepter là où tout converge. Donc il y a un nouveau monstre à affronter. Et franchement je pense qu'il va pas être simple parce que déjà on est vers la fin du jeu. Enfin on est vers la fin de l'histoire du jeu. Donc je sais pas qui va falloir parler. Enfin normalement il y a une quête, c'est là où tout converge, je sais pas trop quoi. Ouais mais c'est ça, là où tout converge, donc rang 15 ou plus. Donc bon mais c'est parti. On va mettre un petit truc à la clé, on va voir si on peut se le faire à plusieurs. Bah, je connais pas vraiment la bestiole que je vais avoir, donc forcément on y va. On va aller partir en quête. Et puis on va se lancer sûrement une petite fusée de détresse. Le son du jeu ça va, il est pas trop fort. Enfin rien n'est trop fort, ça va. En termes du jeu c'est cool. Ça doit être là-bas je pense. Pour partir. Ah non c'est là, oui bah, on va lui parler. Salutations. Nos chemins se croisent à nouveau. La piste que je suis depuis notre dernière rencontre m'a conduit jusqu'ici. Tout comme toi on dirait. Tu as donc vu le cimetière des dragons anciens, n'est-ce pas? J'ai découvert qu'une vaste quantité d'énergie courait dans les artères souterraines du Val pour se propager au reste du continent. Lors de notre dernière rencontre, j'essayais encore d'en comprendre la cause. Ok. Mais depuis, j'ai pu localiser l'endroit où semble converger toute cette énergie. Il se trouve non loin de la source de cette rivière. Je compte m'y rendre pour voir ce qu'il en est. Nous approchons de la fin du voyage. Allons ensemble découvrir le sort que le destin nous réserve. Pareil, c'est le dernier épisode en fait. Je t'attendrai ici jusqu'à que tu sois prêt. Après, c'est le dernier en fait qu'on fait. Enfin, c'est au niveau de l'histoire. Attends, il m'a dit quoi? Oui, mais montez à bord. Oui, je monte à bord avec grand plaisir. C'est parti. Alors, pareil, c'est le dernier monstre qu'on affronte aujourd'hui. Le Zora Magdoros a traversé les ténèbres de l'océan. À nous maintenant d'effectuer notre traversée. Oh là là, oh là là, que je vais galérer. C'est tout comme ça. Il est transparent. Ah c'est alors toi alors la truc que j'ai vu. Bon tout seul ça risque d'être chaud. Surtout que je connais pas trop ses attaques. Et ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. Bonne idée surtout. Oh mais ses pattes elles sont tellement. Ah ouais d'accord. Il va falloir que j'améliore mon arme je pense hein. Est-ce que tu fais beaucoup de dégâts ou pas? Sur des jeux FPS du style Fortnite, donc si vous voulez jouer avec moi demain, il n'y a aucun problème. Et puis je filme comme ça, je mettrai peut-être des petites vidéos en ligne. Ah voilà, là il est en mode, voilà, je suis en mode simple. Voilà, je prends pas trop la tête. Et après, je vais prendre grave la tête. Là il est en mode, voilà, je suis tranquille là. Non, ça va pas le toucher. Et non, ça l'a pas touché. Alors demain, c'est pas sûr, c'est plus vendredi que jeudi. Demain, c'est peut-être. Il viendra peut-être demain, c'est pas sûr. C'est très peu probable qu'il vienne demain. Il viendra plus vendredi que jeudi, voilà. Ah nice, le piège à rocher, ça c'est une bonne idée. Par contre, il fallait me prévenir quand t'es là. Mais j'arrive même pas à l'attaquer, alors à quoi ça sert? Le piège à rocher, par contre, GG ça. Allez, il va commencer à être plus vénère parce que là, en termes de dégâts, il commence à prendre. Allez, 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 recharge. Allez vas-y, touche-le, n'importe où, mais touche-le. Mets-toi là, non, 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 mais il a tiré deux fois alors que j'ai demandé une fois, bordel. Vas-y, vas-y, mets-lui autant de coups qu'il veut. Non, 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 hors de question, voilà. Nickel, là je lui mets au taquet de dégâts, ça en plus il le souhaite même pas, il faut se mettre entre ses pattes, hein. C'est là où il prend le plus de dégâts. Recharge, merci. Là il va mettre sa queue. Ah ben, pas l'endroit où il fallait. Mais ouais pourquoi pas, si t'as envie écoute. Là il va pas me faire de dégâts. Bah il est pas vénère là. Et là il est pas vénère, ça se voit que là pour l'instant ça passe. Vas-y prends toi ça, un bon point. Oh nice. Ah si j'aurais pu monter, je l'aurais fait. Cours mon gars, cours.
Nickel, parce que là il est vénère. Ah, 1700k, tu t'es repris encore le piège. Ok, là. Oh là, il va être chaud. Je vais essayer de jouer demain, comme ça je t'explique comment marche Fortnite, Halloween, les trucs et tout. Après, on verra, c'est pas sûr que je sois dessus demain. Parce que j'aurai peut-être d'autres choses à filmer du coup. Il a posé une bombe, ok. Bah, je sais qu'il faut pas l'attaquer là sur ses pattes principales, mais là. Ah, mais je vais finir par le toucher au bout d'un moment, ouais. Ça risque d'être plus vénère, mais là il a l'air vénère lui aussi. Hein. Il a refait tomber un truc ou quoi? Ah non, là il risque d'être très très chaud, faut que je fasse gaffe. Je préfère qu'il me touche avec ses pattes que ça fait moins de dégâts ses pattes. À part quand. Mais oh là là. De toute façon, il m'a rechargé en termes de vie donc ça passe. Non, pas en face de moi, pas en face de moi, ça j'aime pas. Ça pourrait mettre KO direct. Autant que c'est l'autre qui s'en occupe. Ah, attends, on va voir. Non mais ses attaques lui font pas grand chose hein. Bon, moi je l'attaque, c'est déjà ça. Mais je crois que les mes attaques 106, nice, il a attaqué à 106. 1700, oh lolo. Mais non, pas ça. Nice. Oh là, 150. Enfin, presque 170 de dégâts. Là, on est pas mal là. Mais là, il a commencé à prendre cher. Hein, donc, en termes de dégâts, il va commencer à être vénère là. Il aime plutôt être grave, grave, grave vénère. Alors, lui, je sens qu'on va galérer. Demain, je pense que j'y suis encore avec lui. Si j'arrive au bout d'une soirée, franchement, je m'applaudis parce que là, je suis en train d'essayer d'apprendre à connaître le petit monstre à quoi j'ai à faire. Oh là, il est chaud, je crois que je devrais me protéger parce que là, je sais pas ce qu'il fait. Oh, il essaie de faire tomber plein de trucs sur lui ou ça se passe comment? Ou il le fait exprès? J'ai l'impression qu'il le fait exprès. Non, là, oula, oula. Vas-y, remets-toi le... Vas-y, là, 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 monte dessus, monte dessus. Non, dommage. Ah! Après, il est en train d'attaquer plusieurs fois. Ça, c'est sa plus grosse attaque, j'ai l'impression. Enfin, une grosse attaque, il y en a une deuxième aussi. Ah, j'arrive pas, dommage. Oui, c'est pas urgent non plus. Non, non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Fous-moi la paix. Moi la paix, mais ça c'est vraiment pas une bonne idée, surtout quand il fait un 360 comme ça là. Là j'ai bien fait l'attaquer comme ça. Ah dommage, j'ai pas pu le toucher. Et j'ai bientôt plus, il va falloir que j'aiguise mon arme. Ok ok ok, là tu veux jouer, pas de soucis. Ah non 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 non, je me déplace. Faut que je me déplace sur lui en fait. Parce que en bas, il n'y a rien qui l'attaque quasiment. Ouais, j'ai pris un petit peu de dégâts, mais c'est vraiment pas ouf quoi. Allez, vas-y. Ouais, là il prend 6 de dégâts à chaque fois, c'est vraiment pas dingue, mais. Et là, tu l'esquives, tu te mets au milieu, et puis c'est tranquille. Hein. Yes, partie détruite déjà. Oh, il a pas beaucoup de vie en vrai. Première, après c'est que la première partie détruite hein. On va pas trop se le cacher non plus. Alors je vais me cacher hein, de principalement si je peux. Non, fous-moi la paix juste. Non 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 non, ça c'était pas. Voilà, ça c'est son attaque la plus forte je crois, donc heureusement que j'étais pas là. Heureusement que j'étais pas. Là il est vénère, là il est en mode vénère. Comme tout à l'heure. Donc là il va falloir faire super gaffe. Donc là logiquement il est à la moitié de sa vie. Logiquement. Ah ça fait mal ça aussi. Bon remarque vous avez dit jusqu'à maintenant j'ai pas trop pris de. Vas-y vas-y fais péter. Là je crois que je vais pas me mettre entre ses jambes. Là pour le coup il m'a l'air plutôt. Il va me foncer dessus comme d'habitude. Ah mais là ses pattes elles font mal du coup. Vu qu'il est en mode vénère, il est pas en mode protection.
Oula, 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 là je risque de prendre vraiment trop cher. Je m'écarte ici. Vas-y, 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 là il faut que je régène à bloc. Hein. Il m'a l'air chaud, mais grave chaud. Oh! En fait, je l'ai très sous-estimé, mais vraiment. En plus, il y a ces trucs qui font mal là par terre. Je sais pas si personnellement. En plus, il y en a, ils ont son armure. C'est stylé d'avoir son armure. Ouais, il bouge trop, donc les attaques du feu de Wyvern, ça va pas lui faire grand chose. Et je peux le toucher partout. Là, il prend des dégâts partout, c'est trop bien. Il est tellement classe ce monstre. Nickel. Alors là, tu vas t'en prendre des dégâts, crois-moi. Ah, il vole. Ah, rip. Il va où maintenant? Ah, mais si tu changes d'emplacement, tu vas pas aller trop loin, je pense. Hein. Il n'y a pas trop moyen d'aller trop loin ici. Hein. Ah, ok, donc Viadrek, elle est. Ok, donc si, il y a moyen d'aller loin en fait. On va se mettre derrière le truc pour être vraiment tranquille. À tous les coups, il va vouloir foncer sur moi. Non, même pas. Alors, je sais pas si c'est sa dernière forme ou pas. En termes de... Vas-y. Hop, il s'est pris. Il s'est pris pas mal de dégâts. Non, non, non. Il s'est pris 45 de dégâts. C'est que ça fait vraiment, ça commence à faire mal. Hein. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup, mais après, de toute façon, on m'aide un peu, donc forcément. What? What? Il a fait quoi? Oui, il est chaud. Ouais, là, il a l'air vénère, ouais. Ouais, touchez-le parce que là, franchement, on avait affaire à une de ses plus grosses attaques. Ah, je crois qu'il est en mode. Ah, il a changé de forme encore. Oh, il m'a l'air vénère. Non, là, ici, je peux plus toucher. Là, il est en mode normal. Ah, franchement, s'il est pas super compliqué, en vrai, je le fais plusieurs fois. Et puis, comme ça, je chope son armure. Sans aucun souci. Ah, ouh. Et il fait mal, le pâté, là. Ah, il connaît pas ses capacités, je pense ses pleines capacités, donc forcément. Oula, ses ailes elles sont trop stylées. Dommage qu'il est pas en mode vénère, je le préfère en mode vénère, tu vois. Parce après pour le toucher c'est super chaud. Là je lui fais pas beaucoup de dégâts. Enfin à part quand je le... Voilà. Allez, là je le touche. Oh nickel, il va s'en prendre... Nickel. Alors, je sais pas si j'en ai besoin, mais bon, c'est pas grave, il a plus de vie. S'il a plus de vie, normalement en bas à gauche, là vous voyez au niveau de la carte, il y a une sorte de. Comment ça s'appelle hein. Mais là, il est peut-être en train de régénérer. Oui, si, t'as peut-être raison. Mais d'un côté. De toute façon, on lui fait des dégâts. Mais après, il régène peut-être plus vite que ce qu'on lui fait des dégâts. Ouais, là il a foncé dessus, heureusement j'ai esquivé de peu on va dire. Et vas-y récupère là parce que franchement. Ouais je le retouche pas. Sa queue ouais c'est sa queue, c'est un de ses points faibles. Sa queue, sa tête de devant et ses pattes avant. C'est son point faible. C'est là où il prend le plus de dégâts donc faut en profiter. Ah dommage, j'ai pas pu le toucher. Faut que j'aiguise mon arme bientôt parce que là. Ah! Ah oui, d'où tu me fous des gifles toi? Ah, il va bientôt être en mode vénère parce que là je vois que la couleur commence à changer. Ah, je fais même pas 8 de dégâts hein, donc c'est super faible. On va esquiver encore parce que là je suis en face de sa bouche et j'aime pas ça. Là il va foncer sur les mecs, voilà. Ah, double de dégâts, nice! Ah je m'en doutais qu'il serait vénère contre moi là donc je suis chaud. Normalement il a une tête de mort dès qu'il a plus de vie là. Logiquement. Ouais touché.
Aïe, ça, ça fait... Oh, ça fait v'là mal, ça. Il va falloir bouger, là, mais beaucoup bouger. Ouais, parce que là, il a l'air vénère, mais de dingue. Est-ce que c'est possible de prendre juste vite fait des aiguisoirs? Allez, 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 allez. Vraiment, je vais être tranquille derrière ce truc. Là, il est vénère, ouais. Là, ouais. Mais franchement, son armure, elle doit être au taquet stylée, genre vraiment. En termes de design, après, en termes de résistance et tout ça, je sais pas, mais. Ah, si, ça le touche pas mal, là. Ah, mais tu peux me foncer dessus, y'a aucun problème, par contre. Ah là là, oulala. Qu'est-ce qu'il fait, là? Non, je reste caché derrière parce qu'on sait jamais ce qu'il peut employer. Voilà. Une sorte de gros Kamehameha, le bordel. Voilà, là je te retouche. Ah non, là par contre c'est pas juste ça. Vous pouvez utiliser la cape caméléon. Nice, je lui ai enlevé un petit peu de vie. J'ai quasiment pas utilisé le bouclier, hein. Quasiment, c'est ça qui est bien. Ouais, tu commences à prendre des dégâts, mais de toute façon, tant que je vois pas qu'il y ait écrit partie détruite sur toi. Faut que tu sois un petit peu KO. Waouh. Ça, je reste là-dessus pour pas me faire arracher. Ah, nice, je l'ai touché, parfait. Au niveau de sa patte. Ah, oh, j'ai cru qu'il allait tomber. Au niveau de ses dégâts. Vas-y. Vas-y, touché ou pas? Ouais, je l'ai touché, nice. Ouais, MDR, t'as vu? Je le retouche encore, en plus c'est un de ses points faibles. On va essayer de le retoucher au maximum. Allez, 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 mais franchement c'est un super beau jeu. On en est vraiment à la fin et... Et franchement c'est trop cool comme jeu. Ah là là. Prochain jeu ça serait Tomb Raider que j'aimerais vous faire. Tant pis si c'est que les pattes, j'enlève pas beaucoup, c'est pas grave. Yeah, je l'ai encore touché, nice. Oh, en plus, un de ses points faibles. Et je reste derrière sa tête, si c'est possible. J'essaie de bouger extrêmement vite, mais il se recule à chaque fois. Oh non, là, c'est pas cool. Allez, voilà, tranquille. En plus, j'ai pas trop switché assez vite. Donc, franchement, par rapport au premier épisode, quand je regarde mes... les montages des premiers épisodes... Ah, là, là il est chaud. Allez, reprends-toi encore des dégâts, plus de dégâts que ça, parce que là, franchement, on a 4 dessus quand même. Malheureusement, j'ai pas trouvé tes stats hier soir, après j'ai pas été vérifié plus que ça. Ah, et là, il est en mode vénère, là, on peut l'attaquer des papates. Là, il a pris beaucoup d'énergie. Ce qui devrait rendre vraiment un truc sympa. Ah, mais je peux pas l'utiliser donc vas-y hein. Bah si, là je devrais pouvoir l'utiliser là. Ah, il s'évanouit, mais non, genre. Maintenant je peux pas l'utiliser encore. Vas-y. Le cœur, nickel. On va son squelette en fait. Oh, je crois avoir eu de la chance, je vais rester sur le squelette hein. Là. Ils sont tous les deux morts donc il nous reste une vie. Ça serait vraiment nul parce que là, vu au point où on en est. Allez. Allez, mais remonte-toi. C'est fou que mon personnage est lent. Et 7 par 7. Hein. Ouais, là, il est chaud. Là, il est vraiment tendu. Ah, il est en mode défense. Ça y est. En même temps, avec tous les dégâts qu'il s'est pris, je peux le comprendre qu'il se mette en mode défense. Je me disais, ça va vite, hein, pour le coup. Il va extrêmement vite, là. Allez, vas-y. Non, non, non. On va pas le faire le rigolo très longtemps. Surtout que là, il va me falloir... Ah, mais là, il faut tout donner. Vous êtes pas mort depuis le début. C'est maintenant que vous crevez. Ok, là, ça va. Je devrais avoir assez de vie, normalement. Dans la logique des choses. Ah, mais j'en ai plus assez du coup. Et remonte-toi, bordel.
Nickel. Par contre, il va falloir que j'aiguise mon arme parce que là, franchement. Qui c'est qui a plus de vie? El Gumpo là. Tu reprennes un peu de vie là. Ah, ben moi aussi, du coup. Allez, vas-y. Oh non, pourquoi je suis sonné? Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Ça serait vraiment bête si ça m'arrive. On va pas rester derrière sa queue en cas si je veux pas prendre des dégâts. Aïe 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 aïe. Oh il est chaud. Ouais c'est clair. Toute la terre crève ouais, mais ça c'est clair. C'est bon j'ai plus régène mais il me reste plus beaucoup de la régène. Mais j'arrive pas à toucher. C'est quoi ce bordel? Yes, 16. C'est pas énorme, mais au moins j'en ai fait 16 de dégâts. Et quand est-ce que t'as plus de vie, toi? Parce que là, pour l'instant, je vois que t'as toujours de la vie et. On a beau t'infliger, mais à mon avis, on te fait même pas 1% de vie. Il faut surtout pas crever, le problème c'est qu'on a pas assez de vie, je pense. Pour l'affronter. Allez, go, 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 go. Non, 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 ça c'est pas cool. Mais vraiment pas cool. Ça non plus. Oula oula. Ça c'est pas du lourd ça. Aïe ça m'a touché à moi. Comme d'habitude fallait que ça me touche à moi. Et pas à une autre. C'est bon là je vais être à fond normalement en termes de régène. Vas-y là. Il me reste deux. Ne te mets pas en mode vénère s'il te plaît s'il te plaît. Ouais toucher le au taquet parce que là il doit prendre des dégâts à mon avis hein. Partie détruite, nice. Nice, 69, là je pouvais pas faire mieux. Ouais ça fait quasiment du 162 dégâts donc là il a mode grave vénère par contre, très 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 vénère. Non non non. Je vais me rapprocher de lui surtout parce que là il m'a l'air ultra vénère comme ça. Il faut surtout faire gaffe à lui quand il est comme ça. Ah cette fois-ci ses jambes sont plus résistantes. Pourtant je viens de... Il va attaquer ultra vite donc il va falloir aller très très vite aussi. On y a fait une partie détruite mais à mon avis il y a encore... À mon avis ses ailes soient être son point faible aussi. Vas-y, vas-y, stop. Nickel. Non, non, bouge, 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 bouge. Alors là, je crois qu'il est vénère. On a réussi! Lourd! Lourd de chez lourd. Oh je suis trop content. Je pensais qu'il fallait encore pas mal de temps. On t'a enchaîné comme jaja mon gars. Oh là je suis content parce que celui-là il était vraiment pas simple. Oh oh. Ben, ça va je l'ai pas trouvé non plus hyper difficile par rapport au début. Mais ça va. On y est arrivé. Ouais d'origine inconnue. Ben oui mais je sais pas comment il s'appelle le monstre forcément. Oh je suis arrivé. Nickel. Le top du top. C'est bon, j'ai pu tout récolter. Vas-y, récolte, récolte, récolte. Vas-y, vas-y. Encore, encore, encore. Il reste que 20 secondes, voire même 10 secondes là, bientôt. J'ai tellement plein de trucs à récupérer, c'est abusé. Oh, c'est bon, mais j'ai terminé. Eh ben, franchement, t'as été lourd. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, on a mis 52 minutes, hein. C'est pas mal. Bah pour un épisode franchement je trouve ça sympa. Bon au bout de la deuxième fois mais à 4 quoi. Parce que sinon à 2 à tout seul c'est chaud. Ah petite cinématique. Aïe qu'est-ce qui se passe. Et serait-ce la fin du jeu? On va attendre savoir, j'en ai aucune idée. Ah Endrake et Levi viennent m'aider. Oh nice on a débloqué plein de trucs qui doivent valoir des thunes et des thunes. Et ça je vais les utiliser pour me faire justement
une armure. Donc si vraiment si c'est le dernier épisode, bah, bien sûr que je vais vous le poster bah, quand il arrivera. On est que... On est niveau combien d'ailleurs? Bientôt niveau 16, ouais, sûrement, ouais. Oh, on est rang 15, donc... Oh, je suis content, vrai. Ouais, ben bah, je crois que c'est bien le dernier épisode pour ce let's play. Monster Hunter World. Mais l'aventure ne fait que commencer, les amis. Pour moi, en tout cas. Qui va peut-être monter de rang. Et ouais, c'est bien le dernier épisode. Oh, la vache! Ah, il était cool, là, quand même, comme let's play, en vrai. Et ouais, j'en ai bien l'impression que c'est le dernier. Salut, Hiro, comment vas-tu? Ah, 60 heures de jeu, on y est arrivé. On y est arrivé. Bah, ça fait plaisir. Il y a encore plein de choses à découvrir. Un nouveau monstre, il y a plein de choses. Mais moi, je m'arrête là au niveau du let's play. Ah, sinon, ça va. Le let's play va faire 500 épisodes. Non, j'ai vraiment pas envie que ça fasse 500 épisodes, loin de là. 18 secondes, car Lightbox est exagéré. Peut-être, ouais. Moi, je mets 15, 16. Parce que je sais qu'il y a encore peut-être des jeux encore. Mais hyper époustouflants. Que je vais kiffer. De dingue. Donc Monster Hunter fait partie de un de mes jeux préférés, mais il y en a encore plein d'autres qu'on va bien kiffer. Et je ne sais pas encore sur quel autre LSP il va y avoir, mais il y a encore beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir, donc vous inquiétez pas. Ça, il faut juste compter sur ma motivation et puis ça part tout seul. Oh là là, je suis ravi, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais sur ce, je vais quand même vous laisser là pour ce let's play, mais je vais pas quitter le live. Vous inquiétez pas, je reste sur le live, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite... Ah ben, attendez. Bon, je vais vous laisser là, j'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et franchement, vraiment, n'hésitez pas pour ce dernier épisode à mettre le plus gros pouce bleu que vous avez. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée. Puis je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao, bye.